ensemble. Vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée du 10 septembre 2021 et nous serons La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, aina ma kuntum. Mina Abed, bonjour. Bonjour Noah. Comment vas-tu? Très très bien. Honnêtement Mina. Oui. Honnêtement. Honnêtement. Tu m'as beaucoup manqué. Ok. Kif kif. Zama. Ah, je te jure. Allez, Allah el-Adi. Quand il y a la réciprocité, on est mis d'absahad. Non mais ça fait plaisir. Arrête de passer avec mais toi. Mais ça fait mine de rien, 2 mois. Hein. Oui, mine ça passe rien. Vite, heureusement. Eh oui, ça passe très vite. Heureusement. Ça va, tu t'es reposée? Oui. Super. Mais j'étais perdue sans toi. Tu es rougir, Mina. Eh, ne montre pas, c'est Aïda. Faut pas montrer le plan, hein. C'est bon, tu es rougir. Alors, Mina, ça va? Ça va. Très bien. Alors, Mina, il va faire beau aujourd'hui, on va avoir du beau soleil. Alors, comme on n'est pas toujours d'accord avec la perception du temps, oui. Je ne sais pas si en 2 mois, on arrivera d'accord ou pas. Je ne sais pas. Alors ce matin, il faisait plutôt bon. Oui, non, non. Là, il fait bon, il y a un petit peu d'air, mais il fait humide. Ah, ça va, la peste. Non, non, ça va. Toujours. Là, on est d'accord. Un peu plus de détails, Mina? Avec plaisir. Allez, on y va. Merci, bonjour à tous, excellent réveil. Eh bien, le taux d'humidité pour cette matinée dépassera les 60% sur l'ensemble des régions côtières, avec un temps pour cet après-midi, un ciel plutôt dégagé, partiellement voilé, notamment à l'ouest et au centre. On notera des passages nuageux vers la partie est avec quelques pluies en journée. Des pluies également, parfois assez marquées, sur le nord Sahara ou encore la Saoudite. Un ciel voilé vers l'extrême sud, le Hoggar et le Tassili, ainsi que sur le sud-ouest. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord entre 28 et 30 degrés sur les régions sahariennes. On notera 44 degrés du côté de In Salah, 42 degrés à Elizi, on notera 45 à Adrar, 44 pour l'extrême sud. Et enfin, des températures qui vont varier entre 38 et 40 degrés sur le nord Sahara. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, on notera une mer calme, un peu agitée, à l'ouest et au centre, agitée en revanche vers la partie est avec des vents entre 20 et 40 km/h, à l'ouest du pays, entre 20 et 30 km/h sur le centre, et enfin entre 30 et 50 km/h vers la partie est. Place tout de suite à l'Afrique du Nord pour aujourd'hui. Eh bien, on notera un ciel plutôt dégagé au Caire, Khartoum ou encore N'Djamena et Niamey. Côté Mercure, on relèvera 36 degrés à Niamey ainsi qu'à N'Djamena, 37 à Khartoum, 34 degrés au Caire et enfin 36 degrés à Tripoli. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure.
La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aina Makuntum. Les températures plutôt baissent, Nina. Ça commence à baisser, petit, tout doucement. Voilà, avec l'arrivée de l'automne. Oui. L'été indien. J'ai hâte. Voilà. Jodassin. Ouais. L'été indien. Ouais. On a tous hâte, hein, ça reste quand même une saison magnifique. Hein. Très agréable. Même si j'adore la chaleur, mais... Non, mais chaleur, humidité, non. Ça va pas de soi. Du tout. Du tout. Ah, je préfère l'automne. Merci beaucoup, Mina. Merci. On se retrouve tout à l'heure, donc après journal télévisé du midi. Tout à fait. 19h. Oui. Et demain, avec à plaisir. Partir de 9h pour Bonjour d'Algérie. Merci, Mina. Merci, Laure. Allez, tu restes au rendez-vous. Hein. Bah oui. T'as intérêt. Hein. Non, bah toujours. Voilà. Super. Toujours. Allez, on continue. Comme à l'accoutumée, on commence avec une pause musicale, avec Mehdi Hlini particulièrement. Et ce sera en compagnie de Mohamed Tarek et Mohamed Youssef. Pardon. Voilà, c'était une très belle chanson. Donc, un duo entre Mohamed Tarek et Mohamed Youssef, Maulana, salli ala Sayyidina Mohamed. Et cette fois-ci, donc, nous allons parler d'environnement. Je vous le disais ce matin, ce sera à travers une fondation, la fondation Synergie, qui est représentée ce matin avec sa présidente, Besma Belbdjaoui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Merci. Alors, Madame Belbdjaoui, pour commencer, la fondation Synergie, c'est quoi? Alors, la fondation Synergia, c'est une synergie de compétences. Mmh. Des compétences algériennes, de l'Algérie et de la diaspora, pour justement apporter un plus pour l'environnement, apporter des nouvelles idées, des nouvelles solutions et surtout voir ce qu'on peut faire autant qu'association ou autant qu'individu pour justement relancer notre économie nationale à travers l'environnement et l'économie circulaire. Alors, lorsque vous dites une synergie de compétences, est-ce qu'on doit comprendre par cela que votre fondation est plutôt multidisciplinaire? Oui, effectivement. Elle est multidisciplinaire, il y a un conseil scientifique vraiment de tous les des professeurs et des ingénieurs de tout horizon, donc des économistes, des sociologues, des environnementalistes, des botanistes, des généticiens, moi-même je suis généticienne, des biologistes, etc. Donc écologistes éventuellement, pour justement donner une vision la plus globale possible pour développer notre environnement. Et qui dit environnement dit automatiquement une économie circulière résiliente. Mmh. Voilà. Alors aujourd'hui, il faut dire que ces dernières années, l'environnement a été un petit peu mis de côté, si on peut dire les choses ainsi. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a plusieurs campagnes à travers le monde hein, pour revenir un petit peu et pour s'intéresser encore plus à cet environnement oui. avant d'arriver au point du non-retour, n'est-ce pas? Mmh. Alors, qu'est-ce qui se fait à travers votre fondation sur terrain, justement, pour sensibiliser, pour apporter des études et pour apporter des recommandations oui. afin qu'on puisse, on va dire, rééquilibrer les choses? Oui, vous savez que la Terre... Nous, les citoyens du monde, nous consommons une terre et demie déjà. Mmh. Donc, on consomme plus que la terre ne peut fournir à l'être humain. Et du coup, on doit revoir notre mode de consommation, notre mode de production et notre vision de l'environnement. C'est-à-dire que l'environnement, maintenant, ce n'est plus la simplicité de nettoyer ou la simplicité de planter des arbustes ou voilà ou uniquement sensibiliser. On veut aller au-delà de ça. Bien sûr, c'est les bases. Tout ça, c'est les bases. Mais on veut aller au-delà par des solutions innovantes, notamment dans, par exemple, l'énergétique, utiliser nos déchets pour la biomasse, pour produire de l'énergie, développer nos énergies renouvelables, développer notre économie à travers l'environnement. Aussi, la fondation aide et coach des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs dans tout ce qui est entreprise verte, donc qui exerce dans le recyclage, dans la gestion des déchets, les espaces verts, etc. Donc même algues, poissons, élevage de poissons, élevage d'algues, etc. Donc tout ça, c'est en fait l'environnement, il est là, il est partout et la politique environnementale qui manque à l'Algérie doit exister maintenant à travers justement nos élus de différents niveaux.
Alors justement, on va en parler des élus dans un petit moment, mais avant cela, toujours donc dans cette politique environnementale, on va dire. Mmh. Alors on parle beaucoup aussi de prévention. Oui. Alors là, nous avons eu quand même des épisodes assez dramatiques cet été à travers, par exemple, les feux de forêt qui ont ravagé plusieurs hectares, plusieurs centaines d'hectares de forêt à travers plusieurs wilayas. Alors c'est une catastrophe naturelle, oui. On le sait. Parfois aussi même dans la Méditerranée, c'est un petit peu cyclique. Mais mmh. Est-ce qu'il y a, par exemple, moyen de prévenir, on va dire, ce genre de catastrophe? Oui. En environnement, on doit toujours prévenir par la sensibilisation et par des actions concrètes qu'on doit faire à l'avance. C'est-à-dire, il faut des plans d'action, que ce soit pour les catastrophes naturelles ou pour les catastrophes biologiques. Le Covid-19 est une catastrophe biologique. Donc, on voit que la Terre, en fait, à un certain moment, la Terre se défend. Et elle se défend à travers des séismes, à travers des inondations, à travers le changement climatique. En fait, c'est tout simplement la Terre qui se défend envers l'agression humaine qu'elle subit. Donc, du coup, il faut prévenir, il faut avoir des plans de gestion de notre environnement et ça va de notre survie. Hein. Vous savez, la sécurité hydrique, quand on en parle, oui. De la pénurie d'eau, elle est très importante parce que nous, on est dans une position géographique un peu délicate. Le Nord-Africain qui va subir durant ces prochaines années de la sécheresse, etc. Donc, on doit sécuriser notre eau. On doit aussi avoir une souveraineté alimentaire et sécurité alimentaire également. On doit, c'est-à-dire prévenir tout ce qui est incendies, inondations, etc. Et aussi développer tout ce qui est laboratoire de recherche biologique pour justement prévenir toutes ces perturbations biologiques telles que le Covid-19. Mmh. Donc tout ça rentre dans une stratégie, une vision de recherche et de développement. Pas comme on pensait avant, parce que avant les politiciens pensaient que l'environnement était contraire au développement, contraire à à l'économie. Synergia vient aujourd'hui dire que, bien au contraire, on peut développer une économie résiliente et puissante grâce à l'environnement. Alors, vous avez évoqué justement la recherche et le développement pour prévenir ce genre de perturbations biologiques. Au sein de votre fondation, justement, vous entreprenez plusieurs études scientifiques en collaboration donc, avec toutes ces compétences, qu'elles soient algériennes ou algériennes, donc à l'étranger, la diaspora. Alors, lorsqu'on fait des études scientifiques, automatiquement, nous arrivons quand même à des recommandations. Donc, quel est le devenir des recommandations que vous proposez? Alors, on a proposé dans un petit livre des recommandations sur 8 axes. Donc, on a commencé par la réglementation et la politique environnementale, parce que c'est très important. Notre réglementation algérienne date un peu et on doit la revoir, on doit la réévaluer et logiquement la remettre à l'ordre du jour pour justement pouvoir permettre ce développement et permettre cette évolution vers une économie circulaire ou un environnement plus maîtriser, disons. Et aussi, on a parlé de changement climatique, on a parlé d'une transition économique résiliente, on a parlé d'une transition énergétique. Donc, vous savez, là, il y a plusieurs énergies renouvelables, mais en Algérie, les trois importantes énergies renouvelables qu'on peut vraiment en tirer beaucoup, c'est le solaire, bien sûr, la géothermie et la biomasse. Donc, la biomasse, qui dit biomasse, dit gestion de nos déchets. Et on voit actuellement qu'on gère très, très mal nos déchets. On n'a que des centres d'enfouissement technique et c'est insuffisant vu la quantité grandissante de nos déchets. Donc, tout ça, on en parlait aussi de sécurité hydrique, souveraineté alimentaire. On a parlé d'enseignement, formation, parce que c'est très important de lancer des plans comme ça, mais de les suivre avec de la formation, du coaching, et surtout de la sensibilisation à travers notre société civile qui est active, qui est là. Et on a proposé tout ça aux autorités compétentes justement pour... en fait, c'est une façon à nous, scientifiques et ingénieurs, de donner, de contribuer et donner des solutions
pour l'Algérie. Alors, la société civile, Basma Bebdjaoui, est justement ce trait d'union entre ces autorités compétentes, mais aussi la société. Les autorités compétentes vous donnent toutes les facilitations. La société contribue aussi à sa manière. On le voit d'ailleurs à travers, par exemple, les campagnes de reboisement. Ce sont donc les bénévoles qui participent donc à toutes ces campagnes. Donc ça, c'est à titre d'exemple. Donc, comme je le disais, cette société civile est ce trait d'union. Prochainement, donc, il y aura les élections locales le 27 novembre. Donc, quelles sont un petit peu vos attentes de ces élus, de ces élections? Franchement, je suis optimiste. Si les jeunes, la jeune génération et aussi la femme et notamment les biologistes, ingénieurs et environnementalistes passent à l'action et participent aux élections justement pour donner un plus à l'environnement dans les communes et les wilayas, donc les APC ou les APUI, quand on aura des spécialistes en environnement comme élus, on pourra espérer à une amélioration notable de l'environnement dans nos wilayas et nos communes, parce qu'on voit que voilà, la gestion n'est pas au top. Voilà. On va à la concrétisation un petit peu, à l'adage de penser globalement et agir localement. Exactement, c'est ça. C'est penser globalement et agir localement à travers nos compétences algériennes. Voilà. Et justement, au sein de votre fondation, comment comptez-vous travailler en collaboration avec les autorités locales? Comment comptez-vous un petit peu de concrétiser toutes les recommandations auxquelles vous arrivez? Alors déjà, notre conseil scientifique publie chaque année des articles et des conclusions sur la situation de l'environnement en Algérie dans différents domaines. Donc on contribue comme ça, comme articles scientifiques, etc., pour apporter notre appui académique et scientifique. D'une autre part, on participe à beaucoup de projets, des projets locaux dans plusieurs wilayas, donc notamment les wilayas du Sud, pour justement soit faire des formations, des formations, du coaching aux jeunes, aux associations, mais aussi des projets pour donner plus de visibilité à ce qui se fait en environnement en Algérie. Alors revenons un petit peu à la publication, aux publications, donc les différentes publications que vous faites. Ce sont des publications qui sont donc destinées à un public averti, à un public spécialisé ou à tout public? Ça dépend. Franchement, on essaye justement de toucher le maximum de personnes. Donc on a des articles qui peuvent vraiment être facile à comprendre et pas très technique, disons. Et on a aussi des articles scientifiques avec un peu plus pointus pour les spécialistes du domaine, des connaisseurs du domaine, justement pour, on peut pas... En fait, l'environnement a trop été mis à l'écart et il a trop été marginalisé côté compétences. C'est-à-dire que c'est un métier et c'est un domaine assez technique. On ne peut pas continuer à dire des banalités sur l'environnement, disant il faut aller vraiment vers le fond des choses et parler technique et agir technique surtout. Alors pour revenir un petit peu aux formations, donc vous nous avez parlé de formations que vous dispensez, ce sont des formations qui sont destinées à qui et quels sont les programmes surtout que vous proposez? D'accord, donc il y a deux sortes de formations. Il y a les formations pour les associations, donc parce que comme c'est une fondation, donc elle regroupe pas mal d'associations, amis, partenaires. Donc, on fait des formations pour ces associations en gestion de projets environnementaux, des projets verts, etc. Et aussi à sensibiliser ces associations à comment, c'est-à-dire leur donner l'outil technique pour faire, dire les choses comme elles sont, dire la terminologie, etc., environnementale. Et d'un autre côté, les entrepreneurs. Donc, on a beaucoup d'entrepreneurs qui sont demandeurs de formation, par exemple en recyclage, en gestion des déchets, en écotourisme, etc. Et donc, ces jeunes-là, on essaye de leur chercher des formateurs, des spécialistes membres de notre fondation, pour qu'ils puissent les accompagner dans leurs projets et de leur faciliter au maximum le développement
leur entre, micro-entreprise. Voilà. Et comme ça, on contribue d'une part à la sensibilisation, à l'environnement, à la société, mais aussi, c'est un point très important, à l'économie et au développement de notre économie nationale. Alors, on peut dire qu'il y a une grande prise de conscience de l'importance de prendre en charge l'environnement aujourd'hui. Je pense. Il y a pas mal de personnes qui sont avec nous, qui travaillent, qui croient surtout, malgré qu'on trouve des réticents, etc. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Et vous savez, l'environnement dans le monde ne s'est pas développé du jour au lendemain. Oui, il faut se battre pour faire comprendre l'importance de ce secteur-là. Un message à faire passer ce matin ? Merci déjà de, bienvenue à vous. de faire entendre la voix de l'environnement, mais faites plus attention à l'environnement parce que c'est l'avenir de vos enfants. Effectivement, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, Madame Besma Belbjaoui, vous êtes environnementaliste et vous êtes aussi la présidente de la Fondation Synergia. Merci encore d'avoir été parmi nous ce matin. Et on continue notre programme. Ça va être un spot Covid et on se retrouve juste après. Public de transport urbain et suburbain d'Alger et Tuzla a lancé une campagne de sensibilisation sous le slogan « Le vaccin est la solution » au profit des usagers et des citoyens visant la rupture de la chaîne de contamination. Pour l'opération de vaccination, surtout par les autorités algériennes et par la complicité avec l'ITUSA, vraiment l'équipement de l'ITUSA, c'est magnifique. Surtout les bus, c'était vraiment une idée géniale. Équipés de tout. Un bus à Odin, j'ai remarqué les jeunes. La raison, c'est qu'il y a prochainement la compétition, le championnat de football, qu'il y a des jeunes, des supporters, ils viennent se vacciner, ils supportent le club. Tous les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés pour procéder à la vaccination contre le virus corona. Ce que j'ai remarqué moi personnellement, qu'il y a eu une réponse positive et le nombre de patients ne cesse d'augmenter, ce qui reflète un petit peu l'efficacité de cette opération. Concernant les conditions, je dirais qu'elles sont favorables. Les moyens déployés par l'ETUSA sont à la hauteur. Donc l'équipe, on travaille dans une ambiance sereine, c'est-à-dire une équipe médicale et paramédicale. C'est une bonne nouvelle à laquelle Houria ne s'attendait pas pour sa deuxième dose. Un bus bien équipé et un personnel de la santé la prendra en charge pour sa deuxième dose de vaccination. Et on injecte. J'encourage les gens à aller faire les vaccins. Deuxièmement, يعني وزارة الصحة دارت مبادرة هايلة, دارت لي بيس هادو إتوزا, يعني في خدمة كاع المواطنين, يعني راه نقصت من هذاك الاكتداء اللي نروحوا للمستشفيات ولا مراكز يعني لي سونتر. نقصت علينا بالبزاف, يعني يكونوا لي بيس في الطريق, نكونوا رايحين خدامين, ما عندناش الوقت, نكونوا بالجريه جايين نخدموا, كي نلقاوهم هذوما ما كانش الغاشي, تكوني اليز, تجي ديري الفاكسان تاعك لاباس وتروحي للخدمه, تفري شعالاتك اليز. Ce qu'il faut encourager pour gérer cette pandémie, c'est augmenter la cadence de la vaccination et la généraliser en mettant en place des espaces de vaccination afin de vacciner le maximum de citoyens. C'est ce qui va éviter à la population de contracter des formes graves de Covid. Et c'est une manière aussi de limiter la transmission du virus.
Et de retour, et c'était donc un reportage de Faria Alhamdi, elle qui s'est intéressée à cette campagne nationale donc de vaccination à travers les bus ETUSA qui ont été mis donc à la disposition des citoyens pour pouvoir se faire vacciner et faire un beau travail aussi de proximité. À présent, toujours dans le registre santé, toujours avec la Covid, nous allons cette fois-ci parler de l'apport de la radiographie dans la détection du Covid-19. Ce sera en compagnie du docteur Abbas Mesdel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci, merci. Alors, beaucoup. Docteur, vous êtes radiologue. Oui. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons un petit peu parler d'abord, donc, quelle est la place de l'imagerie, justement, thoracique après la Covid-19. Absolument, oui. En fait, je suis très content d'aborder ce sujet aujourd'hui parce que depuis le début de la pandémie, très, très peu de plateaux télé, on va dire, ont pris la peine de discuter de ce sujet-là et beaucoup de questions ont été posées par rapport à ça. Alors, scanner, on joue au scanner, radiographie standard, est-ce que c'est le bon moyen de poser le diagnostic ou non? Et c'est une occasion, c'est une très très bonne occasion pour essayer de répondre à toutes ces questions que nos téléspectateurs se posent et que les citoyens voudraient savoir au quotidien. Alors justement, première question, scanner ou radio? Alors, pour commencer, pour aller dans le vif du sujet, les radiographies standard du thorax n'ont absolument aucune place dans le diagnostic positif du Covid. Alors pourquoi? Parce que c'est une image en 2D, ne permet pas d'explorer la totalité du poumon et peut cacher énormément de lésions. Les lésions parfois sont minimes, elles sont petites et on peut avoir du faux négatif. Et après, le scanner évidemment a toute sa place dans le diagnostic. Parce que, et d'après une étude qui a été réalisée et qui a été publiée au mois de juin dans la revue américaine Radiologie, a attesté de la sensibilité du scanner qui équivaut à 80%. Ça veut dire quoi, sensibilité? Ça veut dire que les images que nous voyons au scanner, là par exemple, sont assez évocatrices, sont très très évocatrices d'une atteinte Covid-19. Ce qu'on voit ici, c'est des images qui sont dites en vert dépoli. Le vert dépoli, c'est une diminution de la transparence du poumon. Ce que vous voyez en noir, c'est un poumon normal. Ce que vous voyez en blanc, c'est du poumon qui est pathologique atteint du Covid. Les petites flèches là attestent de la disposition de la pneumonie tout autour des vaisseaux et des branches. Elles sont bilatérales des deux côtés du poumon comme on le voit, elles sont anarchiques, non systématisées, elles entourent les branches et les vaisseaux, une disposition sous-pleurale, c'est-à-dire très très périphérique, là où il y a les flèches, encore une fois, sont très très évocatrices d'une atteinte Covid-19. Non seulement ça nous permet d'attirer notre attention sur l'atteinte Covid-19, mais en plus ça nous permet une quantification du volume du poumon qui a été atteint. Évidemment, il y a un score qui a été établi par des sociétés savantes internationales qui nous permettent de dire est-ce que l'atteinte est minime, est-ce qu'elle est modérée, est-ce qu'elle est sévère ou est-ce qu'elle est critique. C'est le fameux pourcentage qu'on évoque. Absolument, tout à fait. C'est le pourcentage. Au fait, le pourcentage qu'on donne lors d'une atteinte Covid-19, là par exemple, on voit qu'il y a une atteinte qui est bilatéral, et si on déroule la totalité des images du poumon, on va voir que la tête est pratiquement assez sévère. Elle nous permet, en plus des arguments qui sont cliniques, c'est-à-dire l'état du patient, la saturation d'oxygène, la présence du fièvre ou non, la chronologie des symptômes, etc., nous permet de dire est-ce que ce patient relève d'une prise en charge à domicile, relève d'une oxygénothérapie ou non, relève d'une hospitalisation dans un service Covid commun ou sinon dans un service de réanimation. Une autre question aussi que se posent beaucoup les citoyens, docteur, c'est le scanner, avec ou sans injection? Alors, nous avons deux situations. Dans le diagnostic commun, si vous voulez, de prime abord d'une atteinte Covid-19 dans le but de quantification, généralement, on n'injecte pas de produits de contraste. Au fait, les dernières recommandations, puisqu'on connaît de mieux en mieux la maladie, on connaît de mieux en mieux les complications pulmonaires qui sont dues à ce virus, nous avons de plus en plus tendance à réaliser d'emblée des angioscanners, c'est-à-dire un scanner qui va nous permettre non seulement d'analyser le poumon, mais aussi d'analyser les vaisseaux qui sont nourriciers du poumon, si vous voulez, la fameuse artère pulmonaire, et d'aller chercher des images qui évoquent une complication qui est
assez fréquente malheureusement, qui est assez dangereuse, qui est l'embolie pulmonaire. Alors, on va dire, cette embolie, est-ce qu'elle existe ou non? Est-ce qu'elle est proximale? Est-ce qu'elle est distale? Ça permet aussi à nos confrères dans les services d'hospitalisation, de réanimation, d'adapter la prise en charge et de savoir à quel degré de sévérité le patient est et de quelle manière on va le prendre en charge. Et justement, alors pour ce qui est des indications un petit peu du scanner et de l'imagerie d'une manière générale dans la détection du Covid, bien entendu, ce ne sont pas tous les patients à qui on recommande de faire un scanner. Alors à quel moment faudrait-il faire le scanner? Très bien, très très bonne question parce que au cours en tout cas des vagues qui se sont succédées, nous avons constaté que beaucoup de citoyens courent vers les centres d'imagerie, les services de radiologie, pensant que c'est le scanner qui va poser le diagnostic de Covid-19. Parce que il y a un problème de non-disponibilité de la PCR à un certain moment, compliqué des laboratoires qui sont pris d'assaut, et donc ils vont aller faire des scanners pour gagner du temps. Alors que non, alors on va revenir au principe, le gold standard du diagnostic du Covid reste la PCR, la RT-PCR. Il n'y a pas de faux négatif, il n'y a pas de faux positif dans la PCR. Par contre, dans le scanner, lorsqu'on fait un scanner, lorsqu'il est positif, lorsqu'il y a des images comme celle-là, nous sommes sûrs que c'est un Covid. Alors, on va dire que c'est un Covid, on va dire le degré de sévérité de la tête, mais par contre, lorsqu'il n'y a absolument rien du tout au scanner, ça ne nous permet pas de dire que le patient n'est pas atteint. Ça ne nous permet pas de dire aux patients, rentrez chez vous, vous n'êtes pas atteint du Covid-19 parce que il existe beaucoup. Mais alors là, pratiquement la majorité des Covid sont exagérés, sont des atteintes, heureusement d'ailleurs, minimes et sans atteinte patente du poumon. Donc on ne va absolument rien voir au niveau du scanner. Par contre, le patient a des symptômes, on va faire une PCR, on va la trouver positive. Et donc, ça va conférer une fausse assurance, en tout cas pour le patient, qui va se dire, voilà, j'ai un scanner qui est négatif, je n'ai pas le Covid, alors que ce n'est pas le cas du tout. Alors, dans ce cas-là, à quel moment faudrait-il faire un scanner? Encore à quel moment il est recommandé, finalement, de faire un scanner? Très bien. Alors, encore une fois, on revient à notre principe. Les examens radiologiques sont codifiés par les équipes médicales, par le médecin qui va aborder et commencer la prise en charge. Pour cela, avant le cinquième jour, ça ne sert pas à grand-chose de faire un scanner. Lorsque l'atteinte est minime, lorsqu'il y a des petits symptômes, un rhume si vous voulez, des arthralgies, des courbatures, une petite fatigue, un peu de fièvre, il n'y a pas de tout, il n'y a pas d'altération d'état général, le patient a une bonne saturation, il n'y a pas lieu de faire de scanner. Alors, à partir du cinquième jour, lorsqu'on constate que la saturation, par exemple, est en train de diminuer, et principalement ce paramètre-là, on va indiquer un scanner. Mais pourquoi? Justement, pour rajouter un argument de plus, pour dire au clinicien comment va-t-il prendre en charge ce patient. Si on trouve une atteinte minime avec un petit niveau de désaturation, on pourra, à titre d'exemple, indiquer une prise en charge à domicile avec une surveillance régulière. Par contre, si d'emblée l'atteinte pulmonaire est importante et que c'est un patient qui est en train de désaturer, une saturation d'oxygène qui est inférieure à 92%, à ce moment-là, on va orienter la prise en charge vers une structure hospitalière, évidemment, au cas par cas, en service Covid ou bien en réanimation. Alors, donc, c'est du cas par cas. Alors, donc, on a compris, vous recommandez donc le scanner, c'est vraiment du cas par cas et c'est toujours le médecin qui doit donc toujours, prescrire. Toujours, si absolument, on peut dire. Toujours. Alors, bon, excusez-moi, pour deux raisons principales. Le scanner est un examen qui est irradiant, on utilise des rayons X et pourtant, les scanners dont nous disposons actuellement sont des scanners qui sont dotés de logiciels de diminution de dose. Donc, la dose n'est pas très importante, mais ça reste une irradiation. Deuxièmement, une injection de produit de contraste qui doit faire l'objet de certaines précautions. Lorsqu'on peut éviter ces deux situations-là, il vaut mieux les éviter. Mais sinon, aujourd'hui, donc, il y a cette grande campagne nationale de vaccination qui a débuté le 4 septembre, qui va se poursuivre jusqu'à demain. Bien entendu, la campagne va se poursuivre jusqu'à atteinte d'immunité collective. Donc, vous recommandez vivement la vaccination aujourd'hui? Alors, depuis le début de la pandémie, et comme dans toutes les atteintes virales, nous n'avons pas d'autre ressort pour
en tout cas maîtriser cette pandémie que la vaccination. La vaccination va permettre le développement d'une immunité au sein de la population. Et c'est le seul moyen, de toutes les façons, d'arrêter la progression des cas graves qui nécessitent une hospitalisation, des cas qui nécessitent une prise en charge en réanimation et évidemment un impact direct sur la diminution du nombre des patients décédés en réanimation suite au Covid. Il y a une étude qui a été faite au Royaume-Uni qui a attesté suite à un certain nombre de mois de vaccination que si l'impact ou l'incidence sur les contaminations n'a pas vraiment changé suite à la vaccination, mais l'incidence des décès et des prises en charge en réanimation a diminué de façon très très significative. Ça permet de dire à nos concitoyens que si nous voulons éviter les prises en charge en réanimation, si nous voulons perdre des personnes chères, des personnes qui sont nos parents, nos grands-parents, des personnes qui sont malades, nous n'avons pas d'autre choix que d'aller vers la vaccination et de donner cette chance à notre population de s'en sortir progressivement, évidemment, de vivre dans les espaces que nous occupions dans le passé avec une vaccination. S'il faut justifier la vaccination dans les espaces que nous occupons, pourquoi pas, mais il faut y aller pour la vaccination, c'est le seul moyen d'éviter les catastrophes sanitaires que nous avons vécues dans le passé. Alors, pour revenir encore une fois à cet apport de l'imagerie donc dans la détection du Covid, docteur, si vous vous rappelez au début donc, de la pandémie, plusieurs idées reçues donc, à travers les réseaux sociaux, on l'a vu, et on avait beaucoup parlé des fumeurs. Et il y avait une équipe qui disait un petit peu que les fumeurs étaient un petit peu à l'abri, il y a d'autres donc, qui disaient que les fumeurs étaient plus vulnérables que d'autres franges de la société, que disent les radios. Alors, résultats des scanners. Alors, en termes théoriques, un poumon de fumeur, c'est un poumon qui est plus ou moins détruit. Mm-hmm. Il y a beaucoup de lésions chez les fumeurs qui rendent ce poumon-là assez vulnérable. C'est-à-dire, même si l'atteinte est minime, lorsqu'il y a déjà à la base une atteinte pulmonaire du type obstructif ou restrictif, ce sont les bronchopneumopathies chroniques obstructives qui sont observées chez les grands fumeurs. Alors l'altération de la fonction respiratoire va être plus importante chez un fumeur que quelqu'un qui ne fume pas. Le poumon du fumeur est un poumon qui est diminué de capacité. Alors les fumeurs, oui, ils ont un facteur de risque de gravité supplémentaire. Alors c'est une raison pour rappeler à nos concitoyens le danger de consommation du tabac, de rappeler à nos concitoyens, nos patients fumeurs, de tout faire pour arrêter de fumer, c'est le seul moyen d'éviter ce genre de complications, et de dire que le tabac protège contre le Covid est une erreur monumentale. Mmh. Qu'en est-il des autres pathologies qui sont liées au poumon, l'asthme par exemple? Alors l'asthme, selon les données théoriques, n'a pas constitué un facteur de risque particulier de gravité par rapport à l'atteinte Covid-19. Par ailleurs, il y a asthme et asthme. Il y a des patients qui font de l'asthme intermittent, qui peuvent gérer leur vie sans trop de contraintes. Il y a des grands asthmatiques, notamment qui sont atteints d'autres pathologies associées, diabétiques, hypertendus, cardiopathes, atteints de maladies de système. Et ce sont des patients qui vont présenter le même risque de gravité que le reste de la population vulnérable. Et donc, doivent aussi faire très très attention. L'asthme est une maladie respiratoire chronique. Le Covid est une infection pulmonaire aiguë. Et de toutes les façons, nous savons que l'aggravation des symptômes d'une maladie asthmatique survient à chaque fois qu'il y a une atteinte pulmonaire. Donc, nous recommandons aussi à nos patients asthmatiques de faire très très attention, comme pour l'ensemble de la population. Alors, il faut dire aussi au début de la pandémie, donc il y a eu beaucoup de prise en charge sur le plan. Je parle du citoyen, hein, donc respect des gestes barrières, etc. Ensuite, il y a eu un relâchement avec la troisième vague. Donc, on a vu une reprise de conscience, on va dire, de la situation. Donc, depuis vous-même, vous êtes radiologue, est-ce que vous ressentez quand même que aujourd'hui le citoyen rue un petit peu vers tout ce qui est radio, vers tout ce qui est scanner pour éradiquer
éradiquer justement toutes ces idées reçues, pour éradiquer un petit peu, on va dire, cet environnement un petit peu anxiogène, hein, parce que maintenant, dès qu'on a le nez qui coule, on éternue un petit peu, première chose à laquelle on pense, c'est l'atteinte au Covid. Alors, oui, à chaque fois qu'il y a une vague comme ça qui s'apprête, nous le sentons. Nous avons ce sentiment qu'il y a quelque chose qui arrive, parce qu'on a de plus en plus de patients Covid dans nos espaces de travail. Nous avons beaucoup de plus en plus de cas de Covid au scanner. Effectivement, les gens continuent à se ruer au centre d'imagerie en pensant justement que c'est le moyen diagnostic, alors que je rappelle encore une fois que le moyen diagnostic le plus fiable pour le diagnostic de Covid reste la RT-PCR. Dans la deuxième place, le test antigénique avec l'aléa du faux négatif du test antigénique. Mais toujours est-il, je rappelle à nos concitoyens que si examen radiologique il doit y avoir, c'est au médecin traitant qui doit le prescrire, et c'est au médecin traitant de savoir à quel moment prescrire un scanner et à quel moment cet examen-là ne pourra pas lui rajouter un élément de plus. Donc encore une fois, il faut faire confiance à son docteur. Absolument, voilà. Toujours. Un message à faire passer, docteur, ce matin? Alors le message que nous voulons faire passer, comme à chaque fois, il faut continuer à observer les gestes barrières, la distanciation physique, le port de masque, le lavage fréquent des mains. N'oubliez pas que le seul ressort reste la vaccination. Il y a une campagne de vaccination qui est lancée depuis quelques moments. Beaucoup de structures publiques et privées sont chargées de la prise en charge de la vaccination. Alors, j'ouvre une petite parenthèse pour dire qu'en Algérie, nous avons la chance d'avoir des vaccins qui ne posent pas beaucoup de problèmes, qui n'ont pas été sujets à énormément de polémiques. Et donc, j'appelle tous nos concitoyens à aller se faire vacciner et de ne pas hésiter à le faire, d'arrêter d'écouter les messages négatifs qui circulent sur les réseaux sociaux, les messages qui sèment un peu la panique, qui sèment un petit peu la réticence. Alors, moi, comme tous les praticiens un peu à travers le monde, je rappelle que la vaccination est un geste primordial de prévention primaire contre toutes les maladies transmissibles. Ce n'est pas maintenant que nous allons penser à faire l'exception. Voilà. Merci beaucoup, docteur, d'avoir été parmi nous ce matin. Merci à vous. Un rappel, docteur Abbas Mejdel, vous êtes radiologue et merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Je vous en prie. Et on continue, ça va être un spot de vaccination, donc explication de la vaccination, et on se retrouve juste après. والله يا بنتي الحمد لله الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 بصح العذاب اللي تجوزتو يا بنتي على بالي ما كنت حاسه بيك وخفت بزاف عليك شوفي ما الأمراض المعدية الحل الوحيد تاعها هو الفاكسان تدعو وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المواطنين الراغبين في التلقيح للتوجه نحو الهياكل الصحية أو الأماكن المخصصة لذلك مصحوبين بوثيقة الهوية لتلقي اللقاح بالتلقيح ضد كوفيد 19 تحافظون على حياتكم وحياة أقاربكم
Et de retour sur le plateau, nous allons continuer donc de parler de cette campagne de vaccination du Covid. Et cette fois-ci, ce sera en compagnie du docteur Rim Bourzek. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Alors vous êtes maître assistante en chirurgie cardiovasculaire. Oui, tout à voilà. fait. Voilà. Alors, nous étions en train d'en parler juste avant vous, donc de l'apport un petit peu de l'imagerie dans la détection du Covid. Aujourd'hui, donc en votre compagnie, on va encore une fois parler du Covid et encore les impacts du Covid aussi sur le système cardiovasculaire. Oui. Bah, écoutez, là, tout d'abord, il faut savoir que le système cardiovasculaire n'est pas fréquemment touché. Mm-hmm. Ça, c'est la première des choses à retenir, c'est-à-dire que la Covid, elle a des symptômes bien clairs. La première atteinte qui est connue, c'est l'atteinte pulmonaire, en priorité. Puis on a également l'atteinte au niveau du sang, c'est les problèmes de coagulation, donc les problèmes de thrombose et d'embolie. Le problème, alors au niveau cardiaque, c'est vrai que nous avons entendu parler quand même d'arrêt cardiaque brutal. Mm-hmm. On a eu des cas comme ça, où c'est des arrêts cardiaques, où on dit oui, c'est la Covid, une fois que les tests sont faits. Ce qu'il faut savoir, c'est des cas très exceptionnels, et c'est dû quand même à la fixation directement de l'ARN viral au niveau des récepteurs myocardiques. Ça, c'est bien décrit. Mmh. Et malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire parce que c'est vraiment l'arrêt cardiaque brutal. Mmh. Le cœur est vraiment figé par cet ARN. Après, on reste quand même sur des symptômes très, très classiques, des atteintes d'organes classiques. Mmh. En priorité, c'est les poumons, le sang. On a le foie également, les hépatites fulminantes. Donc, on a eu pas mal et qu'on essaie d'éviter. On donne des traitements quand même préventifs par rapport à ceci. Voilà, donc il y a quand même un traitement préventif, il y a quand même une prise en charge préventive donc, de ce genre d'accident. Oui, une fois qu'on a compris le mécanisme d'action de la Covid. Mm-hmm. Parce que la première vague, on était quand même un peu perturbés. Mm-hmm. C'est là où on a vraiment découvert le mécanisme d'action de la Covid sur le terrain, en plus de ce que disent les scientifiques à l'échelle internationale. Mm-hmm. Mais c'est vraiment le terrain qui nous a aidés à comprendre réellement. Donc à partir de là, lors de la deuxième vague et la troisième vague, nous avons pu instaurer quand même des protocoles qui, d'un côté, évitaient ou diminuaient, on va dire, l'atteinte pulmonaire et son aggravation, mais surtout qui prévenaient l'atteinte des autres organes. C'est comme par exemple donner des corticoïdes, c'est ce qui nous permet quand même de diminuer, de carrément éviter l'orage de cytokines. Donc c'est l'orage inflammatoire qui était vraiment mortel lors de la première vague. Donner des anticoagulants, c'est par rapport à l'atteinte vasculaire également. Nous avons eu des embolies pulmonaires, des thromboses, des AVC. Donc c'est un peu ça, c'est sur le terrain que nous avons appris réellement à prévenir les complications mortelles, on va dire. D'autant plus, docteur, on l'a vu à travers les études, à travers les rapports, à travers les témoignages aussi des médecins, parfois oui. Les réactions, c'est du cas par cas. Oui, nous avons eu beaucoup de réactions cas par cas, je dirais notamment pour la dernière vague, la Delta. Mmh. C'est vrai qu'avec ce variant Delta, nous avons eu beaucoup de surprises, nous avons eu des cas que nous n'arrivions pas vraiment à comprendre ce qui arrivait chez les patients, d'autant plus que nous avons eu des patients très jeunes qui sont arrivés à des stades pas trop graves et qui, malgré toutes les thérapeutiques, ont quand même compliqué et sont décédés. Mmh. Nous avons eu des patients, cette vague, les malades sont restés, on va dire, entre 3 semaines et 1 mois en hospitalisation. Or, pendant la deuxième vague, c'était une moyenne de 10 à 15 jours. Donc, c'est surtout ce variant Delta qui nous a un peu perturbés par rapport aux symptômes et aux réactions de l'organisme. Mmh. Alors, docteur, il faut dire aussi qu'aujourd'hui, le seul remède que nous avons, c'est bien entendu donc continuer à respecter les gestes barrières, mais aussi la vaccination. Nous avons aussi la chance d'avoir que notre pays ait pu importer le vaccin. Oui. Donc, la campagne a commencé, c'est vrai que timidement, le mois de janvier dernier. Donc, aujourd'hui, en nous parlant de la plus grande campagne nationale qui a débuté le 4, qui se poursuivra jusqu'au 11. Et donc, toute cette campagne, toutes ces campagnes de vaccination aussi se font en collaboration avec les collectivités locales. Alors vous-même, vous êtes très active sur terrain, vous êtes très active aussi, on va dire, aux côtés des jeunes, n'est-ce pas? Alors justement, quel pourrait être l'engagement des jeunes sur le plan politique, mais aussi sur le plan sensibilisation? Alors, les jeunes, l'avantage des jeunes, là on va parler des collectifs de quartier notamment. Mmh. Parce que c'est plus ça qui va nous aider, c'est les collectifs de quartier et les associations locales. Oui. Bien plus que les associations nationales. Mmh. Ils sont proches de la population.
Les habitants des quartiers leur font confiance parce que c'est des jeunes qui sont souvent présents lors des problèmes au niveau des quartiers et tout ceci. Donc on essaye de les sensibiliser également, de leur expliquer que réellement, le seul moyen d'éradiquer cette maladie, le seul moyen de s'en débarrasser une fois pour toutes, c'est réellement d'aller vers une vaccination massive. C'est-à-dire que là, l'objectif à atteindre, c'est de vacciner 90% de la population quand même. Ça ne sera pas facile parce qu'il y a beaucoup de réticences, il y a les réseaux sociaux. Donc on parlait de 70%, aujourd'hui c'est 90%, donc il faut aller... Écoutez, alors 70%, on en a beaucoup parlé par rapport à l'alpha. Oui. C'est vrai qu'avec la delta, quand on suit ce qui se passe ces deux dernières semaines, au niveau international, quand on prend l'Europe ou les États-Unis pour la delta, on parle de 90%. Oui. 70% ne serait pas suffisant pour vraiment ralentir... réellement la propagation, ce virus, la propagation en fait. Le problème qui se pose, c'est vraiment ce variant, hein, qui est vraiment autre chose. Donc si on arrive à vacciner 90%, on va amortir la quatrième vague, parce qu'on aura une quatrième vague de toutes les manières. On va essayer d'avoir moins de cas graves, moins de décès. Ceci ne veut pas dire qu'on n'aura pas de contamination, qu'on n'aura plus la maladie. Maintenant, si on continue dans ce processus de vaccination, en plus des patients qui ont déjà eu la Covid et qui ont survécu, on espère quand même la disparition de ce virus après la quatrième vague. Ça serait l'idéal. Effectivement. Ce qu'ils doivent comprendre ou ce qu'ils doivent transmettre également ces jeunes-là à la population, c'est qu'entre-temps, en attendant cette quatrième vague, la Covid est ici. C'est pas parce qu'on a dit qu'il y a une régression de la troisième vague, qu'il y a une baisse des nombres, une baisse de la mortalité, qu'on ne va plus faire attention. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Il y a eu une baisse de garde par rapport à la tendance baissière. C'est ça, il y a une baisse de garde totale. Or, la Covid est présente, elle est constamment là et elle est constamment ici avec le même variant, avec les mêmes risques de mortalité et avec le même degré de contamination. C'est ce que les gens doivent comprendre. C'est-à-dire que là, c'est une petite période d'accalmie par rapport au nombre d'atteintes. Mais ceci dit, il y aura toujours des décès. Donc, une personne décédée est une personne qui a une famille, qui a des parents, qui a des enfants. On n'a pas besoin d'avoir 1000 morts. Un décès vaut 1 million de morts aussi. Effectivement. On doit expliquer, en fait, ces jeunes-là doivent aller vers la population et leur dire « Ayez peur pour votre papa, pour votre maman, pour votre sœur, on a des jeunes qui sont décédés, pour vos enfants ». On a perdu des enfants quand même, on le sait. C'est-à-dire que là, c'est une histoire de conscience, de transmission, de compréhension également. On rentre dans un autre cadre, on va dire, politiquement parlant, on appelle ça la citoyenneté. C'est-à-dire que là, les jeunes vont apprendre à jouer le rôle de la citoyenneté réelle. Chaque citoyen est responsable de la société. Donc, chaque citoyen doit se sentir responsable pour éviter la propagation de cette pathologie. Alors, justement, là, vous me tendez la perche par rapport à la citoyenneté, docteur. Oui. Donc, la citoyenneté, vous le savez, le 27 novembre prochain, Inch'Allah, il y aura donc, les élections, sont prévues les élections locales. Donc, justement, quel est un petit peu le rôle des électeurs, quel est le rôle de ces collectivités locales, justement, dans la promotion et dans la concrétisation de cette citoyenneté? Bah écoutez, d'abord, on va dire que nous savons qu'il y a une perte de confiance chez la jeunesse algérienne. Nous savons que la majorité des jeunes algériens n'ont même pas de carte d'électeur. J'ai été moi-même candidate pendant les législatives et j'ai réalisé, je vous dirais que peut-être 75% de cette jeunesse n'a pas de carte d'électeur. Donc quand on leur parle, c'est une perte de confiance totale. Ce qu'on aimerait expliquer à ces jeunes-là, lorsqu'on perd confiance, c'est qu'on est quelqu'un d'intègre. C'est qu'on est quelqu'un qui espère le meilleur quand même et qui est un peu déçu de ce qu'il voit sur le terrain. Il ne suffit pas d'espérer et de vouloir. Il faut appliquer également. Agir. Il faut agir. On perd confiance, c'est normal, lorsqu'on laisse le terrain à des gens qui sont complètement incompétents. Lorsqu'on laisse des terrains à des gens qui sont dans la corruption et dans les pots de vin également. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut espérer dans ce cas-là? On ne peut pas lâcher le terrain à ces gens-là et ensuite dire « oui, je n'ai pas confiance ». C'est leur mode de vie, c'est leur mode d'action en fait, la corruption. Par contre, si ces gens qui ont perdu confiance et qui sont très nombreux en Algérie, qui représentent peut-être 10 fois plus que ces gens corrompus, s'ils allaient sur le terrain, s'ils l'investissaient politiquement, s'ils choisissaient leur maire par exemple, et s'ils allaient aux élections et qu'ils les surveillaient, là on peut arrêter ce processus qui a démarré depuis 20 ans quand même. D'autant plus que ce qu'il y a de nouveau dans ces élections cette année, c'est que la population locale, donc ceux qui vivent dans cette localité, ont le droit
d'assister justement aux délibérations. Exactement. Donc, la population aujourd'hui, le citoyen aujourd'hui, a le droit de regard finalement sur ces élections. Exactement. Et là, je pense que c'est l'importance du rôle. Surtout, je vais insister encore sur les comités de quartier, sur les jeunes des quartiers, qui, eux, peuvent assister directement. Qui sont plus tenaces, qui sont quand même capables de tenir tête et de dire non dans certains bureaux, de dire non, il y a fraude. Non, nous avons remarqué ceci, qui ne se tairont pas. Donc la seule chose qu'on leur demande quand même, c'est de faire leur carte, de participer, de nous aider quand même, d'aider une certaine élite qui est dans la lutte anticorruption, qui est dans le programme national. Mais on ne peut le réaliser si on n'y est pas. Il faut bien être... Il faut vraiment le concours de tous. Il faut bien être intègre. Il faut être assez compétent pour pouvoir lutter contre la corruption. Donc si on n'y est pas, et si on n'est pas aidé par ces jeunes qui sont quand même, qui représentent l'avenir et qui sont contre la corruption également, on n'y arrivera jamais. Nous, on aimerait bien qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, leur rôle principal est d'y aller, de travailler là-dedans, d'aller vers les élections, d'aider également, parce que c'est une manière d'aider pour le changement, pour le renouveau notamment, pour l'Algérie dont nous rêvons tous. Mais nous n'y arriverons jamais si tout le monde se met en retrait. Ça, c'est un peu, si vous permettez, je vais rajouter un mot. Je comprends cette réaction de ces jeunes-là, parce que je pense que c'est un peu, on va dire, on a grandi dans un esprit où l'opposition dit non, non, non à tout. Or, nous, aujourd'hui, on veut une opposition qui soit plutôt constructive, qui explique à ces jeunes-là, allez travailler aussi, aider le pays, aider l'État, aider les institutions de l'État à se relever. C'est plus ça le message que j'aimerais passer à cette jeunesse. Voilà, un message très, très convaincant, on va dire. Hein. Oui. Voilà, parce que effectivement, d'autant plus que, comme on le disait, donc aujourd'hui, il y a eu quand même un sursaut par rapport donc à ces élections. Donc aujourd'hui, le citoyen a le droit de regard. Les jeunes d'aujourd'hui, il faut dire, ils sont politisés. Exactement. Ils sont politisés, ils comprennent quand même ce qui se passe et donc ils sont courageux. Hein. Donc on l'a vu. Ils sont donc, très courageux. Ils ont leur mot à dire. Puis ils ont de la volonté. Ils ont de la volonté. Ils veulent quelque chose de nouveau. Ils veulent bien vivre dans leur pays. Ils ne veulent pas s'en aller. Effectivement. Merci beaucoup, docteur, d'avoir été parmi nous ce matin. Merci pour ce beau message que vous avez passé ce matin. Je rappelle, donc, docteur Rim Bourzek, vous êtes maître assistante en chirurgie cardiovasculaire. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Et justement, parlant d'élections locales, là, ça va être un spot d'explication, justement, des révisions des listes électorales qui a débuté le 5, qui se poursuivra jusqu'au 15 septembre. Juste après, vous aurez à voir un reportage de Badia Amarni, elle qui s'est intéressée justement à ces jeunes qui sont partis s'inscrire et on se retrouve juste après. Où est-ce que tu as une spécialité? J'ai fait le journalisme. Je suis en train de faire des études. Où est-ce que tu as fait? Jamal. Je suis en train de faire كما يمكن للمواطنين والمواطنات تسجيل أنفسهم عبر المنصة الإلكترونية ina-election.dz. المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية من 5 إلى 15 سبتمبر 2021. À une semaine de la clôture de la révision des listes électorales, les différentes wilayas du pays ont connu une affluence des citoyens pour s'y inscrire. À Tlemcen, ils sont nombreux les citoyens à se rendre dans les APC pour porter leur nom sur le registre électoral. C'est à l'exemple de Boumedienne et de Sabah. Tous deux sont conscients de l'importance d'aller voter. Je suis venue pour m'inscrire sur la liste électorale pour pouvoir voter. Je souhaite que ces élections soient à la hauteur de nos aspirations. En tant que technicien supérieur en informatique ayant exercé 12 ans sous contrat, je viens d'être embauché en bonne et due forme, ce qui m'a encouragé à m'inscrire sur les listes électorales. Que pensent les citoyens des prochaines élections locales dans cette wilaya de l'ouest du pays et quelles sont leurs aspirations? Nous voulons que les prochains élus soient proches des citoyens et à l'écoute de nos besoins, surtout que notre région est agricole. J'attends des futurs élus de faire des efforts et d'écouter les citoyens. La wilaya d'At-Tarf, quant à elle, continue à recevoir des citoyens désirant s'inscrire sur les listes électorales.
Les jeunes sont de plus en plus nombreux à s'intéresser aux élections. Ils considèrent que cette opération leur permettra d'exercer pleinement leur citoyenneté. Je suis venu à la mairie pour inscrire ma fille. J'invite tout le monde à établir sa carte d'électeur pour pouvoir choisir son représentant qui mérite vraiment ce poste. C'est la première fois que je m'inscris et j'espère trouver un élu qui nous représentera et sera à la hauteur de nos aspirations. L'opération d'inscription se poursuivra jusqu'au 15 septembre prochain. Les électeurs et surtout les jeunes et à travers leur voix ont pour ambition de voir leur commune davantage développée et leurs préoccupations prises en charge. Et de retour, c'était donc un reportage de Badia Amarni, elle qui s'est intéressée aux jeunes, donc ils se sont présentés pour s'inscrire. Cette fois-ci donc, place à la santé, donc le 21 septembre est prévu, la rentrée scolaire, nous en parlons, en compagnie du docteur Benachno. Bonjour docteur. Bonjour, ça va? J'aurais dû venir plus tôt. Vous êtes élégante. Merci beaucoup, docteur. J'aurais apprécié beaucoup plus, mais pas à la fin de. Merci beaucoup, docteur. On a resté le soir, on a dit que tu étais avec nous. Je serais à 6h du matin, je serai là. Madavik, docteur. Madavik. Sans problème. Madavik, le soir. Comme d'habitude. Chaque vendredi. Inch'Allah. Alors, docteur, le 21 septembre prochain, Inch'Allah, ce sera la rentrée scolaire. Et donc, il faut dire que le ministère d'Éducation a mis en place donc, des protocoles. Donc, par exemple, séparer les groupes donc, pour assurer la distanciation. Covid oblige. Voilà, Covid oblige. Mais entre-temps, il y a toute une éducation qu'on doit apporter à nos enfants donc, pour vivre, on va dire, avec la Covid durant cette année. Je vais vous étonner. Moi, je ne parle pas de la rentrée scolaire sous le Covid. Mmh. La rentrée scolaire, attention, il y a le primaire. Oui. Vous avez le collège et les lycées. Et je vais plus loin. Et les universités. Mmh. Vous savez que c'est un milieu propice pour la propagation de maladies. Mmh. Je dis bien de maladies. Pas uniquement le Covid. Effectivement. Un élément essentiel, c'est le fait qu'il y a une concentration d'individus, de personnes, d'adolescents, d'enfants, d'adultes, en un endroit qui est un bain de culture de microbes. Microbes dans l'expression et dans le sens populaire, microbes, dont les virus. Les virus, c'est ce qu'on appelle les maladies transmissibles. Si un est porteur d'un virus, le Covid, ou la grippe, ou la rougeole, il risque de contaminer tout le monde. Donc, ces dispositions que l'on prend ne sont pas spécifiques au Covid-19. Le Covid-19 est compris dans ces maladies transmissibles. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Moi, je voudrais remonter un peu plus loin, avant la transmissibilité des maladies. Il y a une préparation. Les enfants ont eu des vacances prolongées. Donc, dire que des vacances prolongées, ça veut dire acquisition d'habitudes qui ne correspondent pas aux habitudes qu'impose une scolarisation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Toutes les mamans le savent, l'enfant dort quand il veut, c'est à tout bout de champ, plein tube, les écrans, toutes ces choses-là. Il dort quand il veut, il mange ce qu'il veut, il se réveille quand il veut, et vas-y la galère. C'est un monde merveilleux que les enfants adorent. Mais, c'est leur monde. C'est leur monde, et il est important. Mais l'école, c'est de... ça impose un certain comportement. Il faut bien dormir. Parce que le sommeil, on dit un sommeil réparateur. Pour que la personne, l'enfant, soit prêt à assimiler à l'école. Surtout les enfants pendant ces vacances.
ont un comportement régime alimentaire complètement débridé, en avant les sodas, en avant les paninis, en avant les fritures, les pizzas, les bonbons à tout bout de champ, ils sont sollicités. Moi, l'autre jour, je l'ai remarqué, je suis rentré dans une épicerie, et même quelqu'un qui vendait un peu de tout. Les barres chocolatées, les barres, les biscuits de toutes les... Alors, je les voyais prendre, des rangées de chips, toutes ces choses-là ont un impact négatif pour la scolarisation. Mmh. Donc, il faut les préparer dès maintenant, je dis aux mamans, pour casser le rythme qu'ils ont eu. Mm-hmm. Là, donc, et ça se fait de façon graduelle. Déjà, on a encore 10 jours devant nous. C'est la maman. Voilà. Enfin, une dizaine de jours, oui. Dizaine de jours. C'est mm-hmm. ça qu'en 10 jours, il faut commencer à parler aux enfants mm-hmm. et à agir. Agir au niveau de leur comportement. Le fait qu'ils restent jusqu'à minuit, 1h du matin à face aux écrans, ça c'est terminé. Parce qu'il y a une donnée de base pour avoir un sommeil réparateur. Il faut se couper des écrans. Il faut se couper des écrans au moins pendant 2 heures. Avant d'aller au lit, sinon on aura un sommeil mmh. complètement. Le fait de manger, il faut apprendre ça au niveau des enfants et même des adolescents. Il faut apprendre à manger, moi je dis type Ramadan. C'est-à-dire qu'il faut se réunir mmh. au même moment pour dîner, pour déjeuner. Et troisièmement, surtout, progressivement, les habituer à prendre un petit déjeuner. Mmh. Je n'ai pas dit du lait, je n'ai pas dit de kahwa et toutes ces choses-là. Non, c'est à prendre. Alors, kahwa et halib, n'en parlons pas. Non. Ça, c'est. Il faut se débarrasser mmh. de ces choses-là parce qu'il y a un mythe. Son verre de lait le matin, ça va renforcer son calcium. Il ne faut pas penser comme ça. Il faut apprendre, par exemple, à présenter des fruits. Présenter du miel pur, mais chez mm-hmm. Assila, ça c'est important, des tartines de pain, si possible de pain complet. C'est une éducation, c'est mm-hmm. une préparation, mais pas, s'il vous plaît, mais pas le petit, comment on appelle ça, de jus de fruits, le petit Tetra Pak. Mm-hmm. Le petit barquette. Là. Barquette, là, oui. En fait, de jus de fruits, c'est de la bêtise et c'est dangereux parce que n'oublions pas, le Covid-19 ne doit pas cacher, mm-hmm. Comme on dit, l'arbre qui cache la forêt. L'obésité chez les enfants en Algérie, elle est en progression. Oui. Donc, progression à cause de l'alimentation. Il ne faut pas qu'on oublie tout ça. Et c'est pour ça que je parle à chaque fois. On a un système national de santé, je persisterai à le dire, si on l'utilise, si on le connaît, ces démembrements, comment il est construit, et là, à ce moment-là, on a un excellent système de santé. Si on ne le réduit pas à l'hôpital, le système national de santé est fonctionnel. Ne pas oublier qu'on a les unités de dépistage et de suivi, ce qui veut dire la santé scolaire. Quand on dit santé scolaire, il ne faut pas oublier la santé universitaire. Je crois que là, les UDS se doivent dès maintenant de changer à la faveur du Covid-19 leur présence et leur action auprès des élèves. Il ne faut plus passer une fois tous les mois ou une mm-hmm. fois tous les 6 mois, mettre un petit abaisse-langue et voir ce qu'il y a. Non, je crois qu'il faut changer et qu'il faut mettre le paquet sur... Pourquoi ? Il faut arriver à expliquer ce qu'est un virus. Mmh. Quel est le danger du virus? Arriver à expliquer avec des mots et des concepts adaptés à l'âge des enfants, qu'est-ce que c'est qu'un système immunitaire? Mmh. Qu'est-ce que c'est que renforcer un système immunitaire? Qu'est-ce que c'est qu'une alimentation saine? Ça c'est important. Je me bagarre, et j'ai pas d'impact. Vous savez quand... Si, vous avez beaucoup d'impact. Oh. Si, docteur, on vous écoute beaucoup. Hey. Non, on prend en considération vos conseils. Non, peut-être vous me faites cet honneur. Si. Et vous êtes... Mais si, docteur, il y a beaucoup de citoyens qui vous regardent, il y a beaucoup de téléspectateurs qui attendent votre passage. Ben, par exemple... Il y a même ma tante qui vous regarde tous les vendredis. Je la salue. Vous savez qu'à l'étranger, au niveau des écoles primaires,
au niveau des CEM et des lycées. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la semaine du goût. Des semaines comme ça. Des grands noms de la gastronomie des gens qui viennent expliquer aux enfants, mais pas d'une façon autoritaire tout ça. Non, les enfants sont auto, on leur explique ce que c'est que cette légume, à quoi il sert, comment on le prépare, tenez, essayez de goûter ça d'une façon ludique et très très proche. C'est pas le savant qui vient diffuser ses connaissances. Non, pourquoi n'organise-t-on pas, puisqu'il y a des chaînes gastronomiques où on a des chefs et des chefaines. Les féminins. Des chefs et des chefs. Et des chefs et des chefs. Des chefs avec un F à la fin et des chefs avec deux F, E à deux la fin. Des chefesses. Enfin, des chefesses. Pourquoi ne pas que ces gens-là se mobilisent, font du volontariat et ils et elles passent dans les écoles pour développer le goût des enfants, par exemple. Pourquoi ne manger que des pizzas, pourquoi manger que des, comment on appelle ça, toutes ces cochonneries, moi, que j'appelle. Je ne suis pas contre, mais... De temps en temps. Expliquer surtout maintenant que les médecins et l'État, ça c'est pas des unités à créer, des commissions. Non, l'État paye depuis des décennies des salaires. L'État, il paye des salaires à des médecins, à des infirmiers. Pourquoi est-ce que ces médecins n'expliquent pas ce que c'est l'âge, qu'est-ce que c'est qu'un développement, qu'est-ce que c'est que manger, pourquoi on mange et tous ces éléments-là. Voilà, donc, il faut introduire quelque chose de nouveau dans le système éducatif. Voilà, donc, et tout ça, ça fait partie encore une fois de l'éducation sanitaire, de la sensibilisation des enfants, donc à l'importance de se prendre en charge. Déjà, ils sont très conscients, on l'a vu d'ailleurs plusieurs fois. Merci beaucoup, docteur, d'avoir été parmi nous ce matin. On se retrouve vendredi prochain et à l'heure, s'il vous plaît. Oui, madame, tiens, c'est l'école. Voilà, ça c'est l'école. Eh bien, je vais dire, vous retrouvez votre nature d'enseignante. J'espère que vous ne faites pas ça aux étudiants. Ça, c'est naturel, revient au galop. J'espère que vous ne faites pas ça aux étudiants. Ils ont quand même droit à 10 minutes de retard. Quand même, ils ont droit à 10 minutes de retard. Grattez et un à 8h du matin seulement. Hein, à partir de 9h30, il n'y a plus, d'excuses au retard. Gratter la nature de l'enseignant ressort, de l'enseignante. Merci beaucoup, docteur. Et on se retrouve vendredi prochain, Inch'Allah. Et on continue. Alors, nous étions en train de parler, donc, en compagnie du docteur Benachnou, l'importance de l'éducation sanitaire, de se laver les mains. Et le docteur, donc, pour ceux qui le suivent, donc, est contre tout ce qui est produit chimique, n'est-ce pas? Et justement, dans ce sens, Majid Benkassi, lui, va nous dresser un portrait d'une dame, donc il est du côté de Hadrar, Fatiha, elle qui s'intéresse à la savonnerie naturelle, docteur. Donc ce sont des savons naturels qu'elle fabrique elle-même à la façon artisanale qu'elle propose à ses clients. Je vous laisse voir ce portrait et on se retrouve pour la dernière station de cette matinée. Elle sort tout droit de l'université avec plein de connaissances acquises, surtout dans tout ce qui est lié à la chimie, à la transformation et à l'industrie chimique. C'est de Fatiha qu'il s'agit, diplômée de l'université d'Hadrar, elle décide de créer son entreprise. Elle se lance dans la fabrication de savons naturels. C'est la NAD qui a financé mon projet et qui fait l'étude aussi. C'est également la NAD qui m'a fait les différentes formations. Le projet a démarré, sauf que j'ai été ralentie par la Covid-19. Mais aujourd'hui, j'essaie de rattraper le temps perdu. Certes, je suis payée à la journée, l'idée me plaît beaucoup, j'espère que le projet va réussir. C'est avec l'aide et l'accompagnement de la NAD qu'elle ouvre une petite fabrique de savon et bien sûr avec la création de quelques emplois. Nous avons accompagné 15 porteurs de projets dans le domaine agricole, vu que nous sommes dans une wilaya à vocation agricole, et 10 autres petites entreprises dans le domaine de l'industrie et dans la transformation. C'est là la stratégie de l'agence. À l'échelle régionale, l'ANAD a beaucoup aidé et financé les entreprises créées par des femmes. Une stratégie qui répond à des besoins de création de petites entreprises et qui a permis d'absorber un tant soit peu le chômage des jeunes. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture.
Oral Ventur. C'est les mains à faire. Et on se retrouve encore une fois, je vous le disais ce matin, les artistes eux-mêmes se sont mobilisés à leur manière justement pour apporter aide aux régions donc, dont les forêts ont été ravagées par les feux. Rappelez-vous un épisode dramatique que nous avons vécu le mois de juillet et le mois d'août. Nous en parlons ce matin avec l'initiatrice de cette belle initiative, Lydia Ladjouzi. Bonjour Lydia. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Bienvenue à toi. Merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir, Lydia. Alors Lydia, on a suivi un petit peu cette action sur les réseaux sociaux, une magnifique action. Donc les artisans se sentent mobilisés à leur manière, ils ont mis à disposition leurs œuvres. Alors parlez-nous un petit peu déjà de l'idée. Comment c'est venu ? Alors tout simplement, comme on passe par une période sanitaire très compliquée et un été avec des conditions climatiques compliquées également, on s'est dit comment on peut faire plus que ça ? Donc j'ai eu l'idée de rassembler mes amis artistes et artisans. J'ai fait un appel national pour une action qui s'appelle « Une création pour une respiration ». On s'est dit on ramasse nos créations, on essaye de les vendre et l'argent récolté va aller, et donc on a ciblé un hôpital qui est dans le sud, à Janet. On est en train d'attendre leur liste de besoins pour pouvoir les doter de matériel pour les aider à soigner, parce qu'ils sont dans des conditions très compliquées là-bas aussi, ils n'ont pas tout ce qu'il faut. Et une autre partie de l'action, c'est on a récolté donc des dons, on a acheté ce qu'il faut et on a fait un petit peu les hameaux de la Kabylie pour voir ce qu'ils avaient besoin sur le vif. Puis on est reparti avec un groupe d'artistes et d'artisans. On a fait des ateliers pour des enfants pour leur changer un petit peu les idées. D'autant plus que la prise en charge psychologique était très importante. Très, très importante. Les enfants ont vécu quand même des épisodes très, très, très durs pour leur âge. Déjà les adultes, ça a été très difficile. Certains ne parlaient pas, hein. Déjà, pour les adultes, c'était un choc. Alors, qu'en est-il, justement, des enfants? Alors, comment c'était la réaction donc, des enfants? C'est simple. Dès qu'ils ont vu les ballons, les crayons de couleur, la peinture, les petits cadeaux, les bonbons, tout ce qu'on a pu un peu apporter, c'est des enfants, ils ont éclaté de joie. Au départ, tous ceux qui étaient dans leur coin, à la fin de la journée, je peux vous dire qu'ils avaient oublié ce petit moment très compliqué. Ils jouaient avec les autres camarades, ils ont fait de très très beaux dessins. Il y avait avec nous une psychologue, elle était ravie. Il n'y avait pas de noir, comme elle nous a dit, il n'y avait pas de couleurs ternes. C'était plein de couleurs, même quand on leur a demandé de dessiner de la forêt, c'était pas triste, c'était plein de couleurs. Donc il y a des espoirs. Finalement, ils ont dessiné la forêt telle qu'ils l'ont toujours connue, avec toute sa verdure. Et également, comment ils espèrent la retrouver. C'est surtout ça qu'on a vu en eux. Il y avait des enfants de 3 ans et il y avait même des adolescents. Et je peux vous dire que pour eux, l'avenir est positif. Ils voient la situation avec beaucoup d'espoir. Voilà. Donc, alors, on va voir quelques images, Lydia, que vous nous avez ramenées. Oui. On va peut-être les commenter. Là, c'est ma création. Voilà. Donc, c'est un gros tableau peint sur verre, Ayat al-Kursi. Donc, par exemple, ce tableau, il est proposé à la vente. Je peux vous dire que les artisans qui ont participé à cet élan l'ont fait avec une très grande générosité. Là, c'est un artiste de Gardaïa qui fait des sculptures. Donc, chacun, je peux, c'est-à-dire vraiment préciser, chacun offre 100% de la création pour cette vente. Donc vraiment 100% de la vente va aller pour la rassembler à cette cagnotte-là et faire, on va dire, le maximum pour pouvoir aider. Donc là, c'est des peintures. Vous avez vraiment une richesse de produits qui est très diversifiée. Il y a donc des bougies, des tableaux, des sculptures, de la confiserie, de la confiture, des plantes. Artistes, artisans, créateurs, designers, stylistes, modélistes. On a même fait une vente aux enchères d'une création du styliste modéliste Rodwen. Et on a mis
un de ces bodrones en vente. Et donc les femmes se sont amusées à surenchérir pour faire à la fin une très belle cagnotte. Là, je peux vous dire qu'on est à 36 500 000. Quand même, c'est pas mal. Mais on n'a pas encore atteint notre objectif. C'est pour ça que l'action est toujours en cours pour pouvoir vraiment aider au maximum avec le matériel pour faciliter les soins aux malades. Alors justement, Lydia, dans ce sens, j'imagine, dès que vous avez lancé l'appel, les artisans ont vite répondu présent. Le jour même, plus d'une centaine de personnes m'ont envoyé. J'étais dépassée par les messages, j'arrivais même pas à leur répondre. Donc, tout de suite, on a créé un groupe de discussion interne et les objets ont été acheminés de différentes wilayas. Ou l'acheteur, lui aussi, donc, il a montré un petit peu cet élan de solidarité. Oui. Parce qu'il a très vite finalement compris l'intérêt de cette action. On a été très très clair dans le message. Donc la personne, là c'est vraiment un petit exemple. Il y a des centaines d'objets. Hein. Là vous avez quelques petites créations, mais je crois qu'on est à 200 créations, 200 des tableaux. Tout le monde a été réactif, que ce soit l'acheteur, que ça soit l'artiste ou l'artisan. Bon, c'est vrai que ça s'est un petit peu l'action s'est un peu stagnée avec les feux de forêt, donc tout le monde s'est concentré sur Tizi Ouzou et les autres parce que vraiment c'est terrible ce qui s'est passé et il fallait agir sur place. Donc mais là on reprend aussi l'action Une respiration pour une création, pour justement aider, pour soulager cette pression Covid qui se passe dans les hôpitaux. On a choisi une qui est dans le sud, Janet plus précisément, et j'espère qu'on pourra les aider au maximum et peut-être les soulager un petit peu. Inch'Allah. Alors Lydia, il faut rappeler justement que votre action se poursuit aujourd'hui. C'est un appel que vous lancez un petit peu aux artistes et aux artisans. Exactement. L'action se poursuit. Même l'idée, si on peut continuer sur cet élan et aider même d'autres lieux qui ont besoin, ils peuvent se rapprocher, que ce soit de moi sur ma page Lydia Ladjouzi ou sur ma page professionnelle L'Éclat de Verre, ou se rapprocher un artisan quelconque qui pourra le renvoyer vers moi. On est là pour aider et faire ce qu'on peut. Vous savez, l'Algérien, il ne supporte pas de voir une situation compliquée sans se mettre dedans à essayer de la soulager. Là, on veut d'ailleurs, Lydia, un magnifique élan de solidarité des quatre coins du pays, donc vers toutes ces wilayas qui ont été touchées par les feux de forêt. Oui. Il faut le dire, puis même depuis le déclenchement de la Covid, effectivement, donc depuis toujours. Depuis toujours, dès qu'il y a un souci, c'est humain et l'Algérien a un grand cœur. Donc, on le fait avec grand plaisir. Nous, les artistes artisans, on a trouvé ce moyen-là pour aider encore. C'est avec un bel objet. Donc, celui qui achète garde une création vraiment unique. Vous avez des peintres qui ont offert des tableaux extraordinaires. Et on l'a proposé à un prix, mais plus que symbolique. Donc, c'est aussi une occasion pour plein de personnes d'acquérir des objets vraiment uniques. Et joindre l'utile à l'agréable. Vraiment du concret. Et nous, ça nous permet d'avancer dans nos actions, d'avancer dans notre envie d'aider qui est tout le temps là. Sachant que, soyons réalistes, ça fait plus de 2 ans que nous, les artistes artisans, qu'on est vraiment dans le creux de la vague. Mais c'est notre façon de s'exprimer, c'est notre façon de dire qu'on est là et qu'on peut être un peu utile à la société d'une manière belle. Effectivement. Merci beaucoup, Lydia, pour cette très belle initiative. L'Éclat de Verre, ma page Facebook, L'Éclat de Verre, ou ma page personnelle, Lydia Ladjouzi, je suis joignable. Les créations sont sur la page L'Éclat de Verre. Ils sont proposés à la vente. Je réponds aux questions, les prix. Pour l'acheminement, nous faisons la livraison. Donc, ne vous cassez pas la tête. L'objet vous arrive chez vous, que ce soit en Algérie, sur tout le territoire national, et pour certains même qui nous l'ont demandé à l'étranger, on arrive avec les moyens de transport de leur livrer la création. L'essentiel, c'est qu'on arrive à clôturer l'action
et aider au maximum. Et voilà, et on rappelle que l'action se poursuivra jusqu'à atteinte de votre objectif. Merci beaucoup Lydia, merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Donc on rappelle, une très belle initiative est lancée donc pour la participation des artisans et donc pour venir en aide aux hôpitaux. Merci encore une fois Lydia, et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous et je vous retrouverai avec un très grand plaisir demain, inchallah, à partir de 9h. Au revoir.